même un monument aux morts de statues résistants. Ont été victimes d'un guet-apens monté par la Gestapo. La Gestapo était venue ici pour arrêter Marcel Léger. Il était venu le matin, et puis au début de l'après-midi, il a été chercher Marcel Léger, et les résistants du groupe Daniel ont voulu l'empêcher de partir. D'ailleurs, c'est Paoli qui explique bien ça. Il dit, voilà, on est venu, on a monté un guet-apens, ils sont tombés dedans, et quand on est parti avec Marcel Léger, qu'on l'a pris, ben voilà, ici, il y avait l'armée allemande qui les attendait, et on les a fusillés. Alors parmi ces morts-là, ils sont marqués comme FTP. Ce qui est particulier, c'est qu'à la mairie de Vaugues, ils sont signalés comme FFI, et non pas comme FTP. Alors qu'à l'époque, que c'était marqué, ils étaient considérés avec Daniel comme des FTP. Alors il y a marqué aussi Antonio Baltazar. Alors Baltazar, c'est autre chose. Baltazar, ce jour-là, a été arrêté à la gare de Vaugues l'après-midi du 19 mai. Et Baltazar a senti son revolver, s'est enrayé, il a été tué directement par Paoli. Et puis aussi à la gare, mais c'est pas marqué là, à la gare de... Ah, c'est un monument aux morts, mais à la gare de Vaugues, ils ont arrêté aussi un nommé Bujon. Bujon qui s'appelait Desbois. Bujon qui était un chef important des FTP régionaux, qui était, comme on dit, commissaire aux effectifs. Ils ont arrêté Bujon. Bujon qui avait rendez-vous avec Maxime. Alors Maxime, il s'est arrêté avant, puisqu'on lui a dit qu'il y avait les Gestapo à Vaugues, donc il n'est pas venu jusqu'à Vaugues, il s'est arrêté avant. Et heureusement pour lui, parce que je pense qu'il venait aussi, qu'il y avait des informations pour arrêter un peu tout le monde. Ils ont arrêté Bujon dans le train, et Bujon qui était un commissaire aux effectifs interrégional, eh bien, FTP, ils l'ont arrêté, alors lui dit qu'il a été torturé, la police dit qu'il n'a pas été torturé, enfin ben, bref, Bujon a été retourné, et c'est Bujon qui a dénoncé après Morand pour une affaire avec Brankovic de Sancerre. Voilà. Bujon a été retourné après avoir été arrêté ici à Vaugues par la police, par l'armée et par la Gestapo. Voilà. Ce qui est étonnant, là, c'était quand on regarde, on s'aperçoit qu'on a l'impression que ça a été retravaillé et qu'avant il n'y avait pas marqué FTPF. Et c'est intéressant à noter aussi qu'ils étaient tous des FTPF, c'est-à-dire que c'était des résistants qui étaient dans la mouvance communiste et qu'il n'y a aucun signe du Parti communiste ici. On raconte d'ailleurs que cette pierre-là était déjà abattue par des gens qui étaient sans doute en désaccord. Et devant nous, il y avait un remblai de la ligne de chemin de fer économique qui allait à Vaugues, peut-être de Vaugues à Argent. En allant dans une sorte de tunnel là sous le remblai, tunnel qu'on ne voit pas maintenant parce qu'il est caché par les arbres, mais c'était pas possible que les Allemands ne le voient pas, d'autant plus paraît-il avait des chiens et tout ça, tout le monde a raconté cette histoire de chiens qui n'ont pas trouvé Daniel. Et c'est Daniel après qui a raconté, puisqu'il s'en est échappé. Daniel n'était pas là. Daniel n'était pas à Vaugues le jour où son équipe a été décimée par les Allemands. Il était ailleurs, en galant de compagnie, on dit même qu'il était à Herry. Donc toute l'histoire qui est racontée autour de Daniel échappant par miracle un peu à l'arrestation par les Allemands, c'est une histoire qui est une légende. Voilà. Alors pourquoi n'était-il pas ? Là est la question. On peut avoir apporté plusieurs réponses et moi j'apporte la réponse, c'est qu'il savait qu'il n'avait pas à être là.